Alors bonjour, je m'appelle Yass Mahmoudi, j'ai 21 ans, j'ai 34 combats, dont 12 victoires par KO. Je m'entraîne ici à Bonneuil-sur-Marne depuis que je suis tout petit. Je suis arrivé dans la boxe assez rapidement et assez facilement, étant donné que mon père et mon oncle dirigent une salle de grand nom ici à Bonneuil-sur-Marne. Donc depuis tout petit, je baigne dedans. J'ai commencé par 80 assauts et 80 victoires en éducatif. Je suis passé en professionnel. Aujourd'hui, je suis dans la plus grosse organisation mondiale, le ONE FA Championship. Je représente l'Algérie, voilà. Et j'ai déjà fait deux combats au ONE et on attend une grosse échéance qui arrive bientôt. Alors, ce qui m'a donné envie de débuter la boxe, c'est tout simplement de voir mon père et mon oncle enseigner, de voir mon frère qui était aussi. J'étais un peu inconscient, j'étais tout jeune, voilà, je venais à la salle, je m'amusais. Bon, je savais à peine marcher, j'étais déjà en train de, ici, il y a plusieurs années, à venir embêter les grands. Et puis c'est rentré dans mes gènes et j'ai commencé à m'entraîner, à boxer. J'ai vu qu'il y avait des facilités, j'ai continué, j'ai persisté et voilà, aujourd'hui j'en suis ici. Une petite anecdote d'un de mes combats que j'ai fait, c'était ici en France en plus. Lors du deuxième round, je prends un low kick et j'ai l'os de la jambe qui se fracture et j'ai une déchirure de la jambe. Je fais les 5 rounds sur une jambe avec la jambe fracturée et une déchirure du muscle et je gagne le combat au point. Donc c'est une des anecdotes que j'ai sur mes combats pour vous expliquer que voilà, la boxe est vraiment dans le mental et je pense que nous les DZ on a un mental qui est costaud. J'ai aucune activité en dehors de la boxe. J'ai passé mon bac que j'ai obtenu et j'ai arrêté pour me consacrer uniquement à la boxe, étant donné que je m'entraîne deux fois par jour, j'avais plus le temps de concilier les deux en même temps. C'est extrêmement difficile. Du coup, j'ai préféré sacrifier l'école, arrêter. J'ai eu mon bac, j'ai obtenu mon bac. Donc, si y a quoi que ce soit dans la boxe, que ça doit s'arrêter pour telle ou telle raison, je peux reprendre mes études. Donc, j'ai quelque chose derrière. Mais en ce moment, je me consacre uniquement à la boxe. Donc, je fais ça, c'est ma vie. Les obstacles que j'ai rencontrés dans mon parcours sportif, ça a été énormément de sacrifices. Ça a été extrêmement dur d'admettre qu'il fallait avoir une vie pas comme les autres. J'ai commencé ma carrière professionnelle très tôt, j'ai fait mon premier combat à 11 ans professionnel. Et après ça a suivi, donc j'étais au collège, j'étais au lycée, j'ai fait toutes mes années scolaires en ayant une vie professionnelle de sportif de haut niveau à côté. Donc les sorties, tout ce que les jeunes de notre âge font, fumer, boire, etc. Moi je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Donc c'est pas des choses qui ont manqué, mais les sorties, c'est vrai que quand on a 15 ans, que tous nos copains sortent le samedi soir et que nous, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller aux anniversaires, on ne peut pas aller aux soirées parce qu'on a une vie, une hygiène à respecter pour des gros combats. C'était un petit peu difficile, donc c'était, je pense, ce qui était le plus dur pour moi, c'était de ne pas pouvoir suivre mes amis, etc. dans leur vie. Ah, voilà, là, je dis. C'était un peu difficile, mais je pense que ça en vaut la chandelle. Alors le monde de la boxe en général, c'est vrai que c'est un monde qui est assez ingrat, c'est un monde qui est extrêmement difficile. Pour pouvoir en vivre, c'est extrêmement, extrêmement dur. Il y a une poignée de boxeurs en France qui vivent de la boxe. C'est un sport vraiment ingrat parce qu'on a pas mal de personnes qui nous soutiennent, qui sont derrière quand on est au top. Et dès qu'il y a un combat où on perd, où on est moins performant, c'est vrai que la plupart des gens retournent leur veste. Et voilà, donc c'est un sport ingrat. C'est un sport qui est extrêmement difficile, il faut le savoir. C'est un sport qui est complet, donc qui demande de travailler sur énormément de choses. Et en vivre, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment être au top niveau et il faut avoir des entraîneurs, des managers qui sont au niveau de ceux que j'ai aujourd'hui et je les remercie.
Alors, les valeurs que la boxe m'a apportées, et surtout mon père et mon oncle, parce que c'est des valeurs qui m'ont enseigné aussi dans la vie de tous les jours, le respect, être relativement humble, je pense que c'est assez important. Voilà, donc je pense que respecter les gens autour de soi, c'est vraiment une des valeurs fondamentales. Qui a enseigné l'honneur, le fair play, etc. C'est vraiment des choses essentielles si on veut être sportif de haut niveau, je pense, et boxeur, pour moi, en tout cas dans notre école. Comme vous le voyez, là, on est énormément de boxeurs là, dans la salle. On est tous au même niveau, on s'entraîne, on transpire tous les uns comme les autres. Il n'y a aucune différence. Voilà, qu'on soit champion du monde ou qu'on soit un débutant, on vient, on s'entraîne, on transpire comme tout le monde, on est des êtres humains et voilà. Personne n'est au-dessus de l'autre. Mon projet, le projet le plus concret que j'ai aujourd'hui et pour lequel je suis vraiment focalisé et déterminé, c'est de prendre la ceinture du ONE FC qui m'a été pour moi injustement volée, on va le dire. Parce que bon, je me suis énormément entraîné, je me suis énormément sacrifié, moi ainsi que tous mes coachs et toute la team qui me suit, les gens qui me supportent et les gens de la salle qui s'entraînent avec moi, mes parents, partenaires, etc. Donc c'était un coup dur pour un peu tout le monde, je pense. Donc s'entraîner, sacrifier autant de choses pour pas avoir la ceinture à la clé, c'était assez difficile. Maintenant, je pense que si Dieu me le permet, et, voilà, si j'ai une autre occasion, j'essaierai de tout donner pour récupérer cette ceinture que je veux récupérer. Donc on va se donner les moyens pour y arriver, Inch'Allah. Bah, je suis extrêmement déterminé. Pour moi, d'un point, et surtout, je dirais, pour toutes les personnes qui me supportent, qui me soutiennent, mon oncle et mon père qui ont sacrifié, on peut le dire, leur vie, ma mère, toutes les personnes qui sont derrière moi, qui on ne voit pas, ils sont derrière la caméra, on ne voit que briller, etc. Mais on ne voit pas les gens qui sont derrière et qui sacrifient des fois même plus que moi. Mon père, il a sacrifié sa vie pour ça, mon oncle aussi. Voilà, ils sont à fond derrière moi et à fond derrière tous les boxeurs. Donc pour moi, c'est la moindre des choses d'essayer de leur rendre ça en prenant des titres et en essayant de leur faire honneur et plaisir. Ce que je souhaite aux jeunes qui souhaitent débuter la boxe, c'est d'être persévérant, d'être psychologiquement prêt s'ils veulent vraiment atteindre un haut niveau. Et si c'est juste pour s'entraîner comme ça, je pense que ça peut être une bonne chose, ça apporte des valeurs de vie qui sont essentielles dans la vie de tous les jours. Et c'est qu'un bonus pour votre corps, pour un peu tout. Avoir une bonne santé, ça n'a pas de prix. Et la boxe, je pense que ça y contribue. Et un gros big up à ma famille, mon père, mon oncle, ma mère, toutes les personnes qui me soutiennent énormément, mon public. Qui est tout le temps derrière moi. Merci pour tous les messages que je reçois, pour le soutien que vous m'apportez tout le temps. Au peuple marocain qui ne me connaît pas encore, va falloir venir me suivre et je vais essayer de vous faire plaisir comme j'essaie de faire plaisir à mon public. Voilà, donc je vous remercie. Puis je vous remercie aussi d'être venu, d'avoir pris votre temps pour venir faire cette petite interview de nous et de notre salle. Merci à vous.